Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 3 sur PC, donc pour le deuxième épisode. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. On va tout de suite continuer. Ah, c'est tout de suite mieux ce qu'on peut viser avec la souris. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. J'ai galéré pendant quelques jours pour essayer de... Comment pourrait-on dire ça? Pour essayer de bien réinstaller le jeu. Donc j'ai vraiment, vraiment galéré. C'est quoi les touches? Oh non, pas ça, ça c'est la console commande, on va pas l'utiliser. D'accord, je m'y colle. Ok, je m'y colle. Alors, on va regarder dans le journal. Donc c'est raccourci. F5 pour sauvegarde rapide. Ah oui, d'accord, je vois. Compris. Je vois très bien. F5 sauvegarde rapide. M c'est pour l'objectif, d'accord. On change d'arme. Ça marche. Ok. Non, le kill. Pas plutôt bien. Oui, ça confirme mon avis sur la valeur des données contenues ici. Allez, on saute. Et on continue. Donc j'espère que le son est bon quand même. Hein. La vidéo se serait bête hein, que ça ne soit pas. Bon. Essayez de faire en sorte de ne pas bouger trop ma souris trop rapidement. Des fois ça. Il risque d'avoir des à-coups. Hein. Je suis désolé si ça arrive. Ok. Puissante cette arme. Ok. On va faire le succès de la boîte aux lettres. Si on y arrive, bien sûr. La boîte aux lettres. Hein.
prend des munitions. Voilà, c'est un peu souris, c'est un peu lent comme souris là. Là, ça va mieux. Il a l'air de rien avoir d'autre. Pas besoin de modifier l'arsenal pour le moment. Shepard. L'homme trouble? Fascinant, ces protéins. Ils nous ont laissé tout ça à découvrir et nous avons tout dilapidé. L'Alliance a connaissance de ces archives depuis plus de 30 ans. Et elle en a fait quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que j'ai toujours voulu. Les données contenues dans ces artefacts sont la clé du problème des moissonneurs. Je la connais, votre solution. Vous changez votre peuple en monstre. Ils sont améliorés. Nuance. Ah oui. Voilà ce qui nous différencie, Shepard. Là où vous voyez la destruction, je vois le contrôle. Le contrôle du pouvoir des moissonneurs. Imaginez la puissance de l'humanité si nous les maîtrisions. La Terre est assiégée, et vous, vous spéculez sur le moyen de contrôler les moissonneurs? C'est facile de détruire, mais ce n'est pas digne d'une grande civilisation, vous le savez. C'est pour ça que vous avez laissé la base des récolteurs intacte. J'espérais que vous trouveriez un moyen d'arrêter les moissonneurs. Mais non. Non, ce n'est plus votre combat, Shepard. Vous ne vaincrez jamais les moissonneurs, même avec les données protéennes. Collaborez. Donnez-moi accès à vos ressources, et je les arrêterai. Vous feriez mieux que d'autres, mais votre défaite serait presque assurée. Et surtout, je ne souhaite pas la fin des moissonneurs. Nous pouvons les dominer, et utiliser leur pouvoir, leur essence, pour amener l'humanité au sommet de l'évolution. Vous êtes allé trop loin. Les moissonneurs nous tueront tous si on n'arrête pas ces querelles. Je ne vous demande pas de comprendre, Shepard. Et je ne cherche certainement pas votre approbation. Vous étiez un outil, un agent à but unique. En ce sens, vous avez réussi. Mais comme le reste des reliques ici-bas, votre heure a sonné. Assez parlé. Lyra ? Ne vous mettez pas en travers de ma route. Je ne vous le redirai pas. C'est noté. Shepard. Quoi? Les données, elles ne sont plus ici. Elles sont effacées. Au revoir, Shepard. Merde. Comment il fait ça? C'est local. Quelqu'un doit envoyer les informations. Hé hey, éloignez-vous de la console. Allez! Elle a les données! Elle est plus rapide qu'elle en a l'air. On la colle. La laissez pas filer. Ok. Je sais plus viser. La voilà. Sur elle. Elle s'enfuit. Attention. On peut pas la détruire, je pense.
Ah si. On peut pas vraiment la battre, je pense. Allez, allez, plus vite. Faut ces données. Laissez-la. Vos ordres. Achevez-la. Attrapez ce truc. On l'emmène. Je sais pas. Des signes de moissonneurs en orbite. Ok. Drôle de personnage, ce docteur Eva, qui apparemment n'a pas l'air d'être vivante, enfin d'être humaine. Hein. Moi, pas de chair et en os. Ashley a besoin de soins médicaux. Il faut quitter le système, Helios. Je sais. La citadelle est notre meilleur espoir. On y trouvera de l'aide. Cap sur la citadelle, Joker. Bien reçu. Tenez bon, Ash. Voyez ce que vous et Idea pouvez tirer de ça. Commandant, je reçois un signal sur leur cible secondaire. Il semblerait que ce soit l'amiral Hackett. Passez-le-moi. Je passe dans la salle des transmissions. Shepard, vous me recevez ? Commandant ! Idea, tu peux améliorer ça ? Je ferai de mon mieux. Vous avez atteint les archives ? J'en reviens. L'homme trouble était là. J'avais peur que Cerberus tente quelque chose. Vous avez les données ? La plupart. Il en a téléchargé avant que je ne puisse l'arrêter. Idea et Liara analysent ce qu'on a récupéré. Vous avez appris des choses ? Ça valait le coup ? Les premières informations indiquent que les données seraient le plan d'une machine protéenne. Une machine ?
Une arme, massive par la taille et la portée, capable d'infliger une destruction colossale. Envoyez-moi ces données. Nous ferons notre propre analyse. Si Yara a raison, on tient peut-être l'arme qui mettra fin au moissonneur. Je l'espère. Le lieutenant-commandant Williams a été grièvement blessé. On l'emmène à la citadelle. Je suis désolé, Shepard. Même si on sait tous les deux que ce n'est que le début. Allez voir le conseil, montrez-leur ce que vous avez trouvé. Avec un peu de chance, ils vous appuieront. Et s'ils refusent ? Faites ce qu'il faut pour les convaincre de se joindre à nous. Oula. Je vous recontacte bientôt. Enquête terminée. Ah, le son est pas très bon. Shepard. Idea a extrait les données de la machine de Cerberus. Nous aurons des Et le lieutenant-commandant William. J'ai regardé. Ah, désolé. Ou vous n'y croyez pas vraiment. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait sur Terre. Comment une seule arme ? Quels sont nos choix ? Ça vaut au moins le coup des... Je rends visite. Je suis sûr que le... La guerre ira rudement. Ah, le son. Désolé pour le son, moi aussi, ça fait mal aux oreilles. J'ai un pouls, mais très faible. On y va. Capitaine Bale. Merci. Pas de problème. Je suis venu vous informer. Vous avez peut-être le temps de passer au centre médical, voir où en est la situation. Merci. Allez-y, Shepard. L'un de mes hommes peut vous... Je suis juste venu en temps. On a un problème dans le secteur. L'autre, on se voit. Ah, alors là, par contre... Ah, là, ça fait mal aux oreilles. Désolé pour ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Absolument pas. Pourquoi ? Je fais une petite ellipse et je reviens. Et donc me revoici, désolé pour juste avant, en fait c'était juste de mon côté que j'avais ce problème de son. Donc là ça va mieux. Alors voyons voir un peu où nous sommes. D'accord. Donc, on va faire un peu le tour quand même de la zone. Hein. Son dernier signalement était sur Terre. Le commandant Shepard a pu s'enfuir ? Des Ah, apparemment. Bonjour, commandant Shepard. Voici la baie d'Amara. Veuillez noter qu'en raison des récents événements, le SS... Entendu. N'hésitez pas. Avinor, nice. Et ce ne sera pas nécessaire. Commandant Shepard ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Commandant, je vous cherchais justement. Diana Allers, réseau d'information de l'Alliance. Je crois qu'on va pouvoir s'entraider. Je suppose que vous voulez me questionner. Encore mieux. Je suis journaliste militaire et j'anime une émission appelée Bataille Spatiale, diffusée sur toutes les planètes du Conseil. Mes producteurs veulent que j'embarque à bord d'un vaisseau humain et j'aimerais que ce soit le Normandie. Et pourquoi j'accepterais ? Des guerres peuvent être gagnées ou perdues dans des salles de rédaction et celle-ci doit être gagnée. Je suis accréditée par l'Alliance et je travaille seule. Vous aurez un droit de veto sur tous les sujets que je rendrai. C'est un arrangement qui vous conviendrait, ou je continue à chercher ? Dites à vos producteurs que c'est d'accord pour l'instant. Présentez-vous sur le Normandie des... Je peux apporter beaucoup de vêtements ? Une cantine. À vos ordres, commandant. Ok. D'accord. Alors, D'accord, on va passer le poste de contrôle, on ira juste après. Donc du coup, oui, désolé, j'ai dû passer les cinématiques juste avant, c'était un problème de mon côté, donc de mon casque qui faisait un peu n'importe quoi. Donc là pour le moment c'est réglé,
On verra si ça, si ça reprend. Ok, allons-y. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir une destination. Un moment, s'il vous plaît. Alors, donc là, je suis à l'hôpital. Est-ce que j'y étais déjà ? C'était la question. Nous arrivons à l'hôpital mémorial de Huerta. Non, je n'y étais pas. On va quand même regarder, faire un petit tour hein, pour voir Ashley. Oh, docteur Chakwas. Et voici Shepard. Docteur Chakwas, vous ici ? Je travaille sur un projet de R&D de l'Alliance dans le secteur Shalta, aux côtés de l'amiral Hackett. On dit que vous avez fui la Terre à bord du Normandie et que vous ameniez un blessé grave. Je suis venu dès que j'ai pu. Nous avons été confrontés à un synthétique de Cerberus sur Mars. Ashley a été grièvement blessée. Comment elle va ? Très bien, vu les circonstances. La résistance du lieutenant-commandant Williams est impressionnante, tout comme le savoir-faire du docteur Michel. J'aurais aimé pouvoir vous aider sur Mars. On s'est pas vu depuis 6 mois. Quoi de neuf ? Bien, j'ai eu de la chance. Quand ils ont arraisonné le Normandie, l'Alliance ne savait pas quoi faire de moi. Je n'ai jamais vraiment fait partie de Cerberus, et j'avais officiellement quitté mon ancien poste dans les règles. Donc on pouvait pas vous reprocher de m'avoir rejoint pour combattre les récolteurs. Voilà, mais je suppose que si vous aviez été jugé pour crime de guerre, je l'aurais été pour complicité. Votre place est dans l'infirmerie du Normandie, pas dans un labo. Totalement d'accord. Dites le mot et je vous suis. Le Normandie n'est pas le même sans vous, docteur. Prenez vos affaires. Baie d'amarrage D24. Oui, commandant. Et merci. Ne me remerciez pas trop vite. N'oubliez pas, Joker est avec nous. Et je parie qu'il a oublié de prendre son traitement. Ah, bienvenue, docteur Chakwas. Bienvenue chez Sirta. Tous les bénéfices des ventes sont investis dans la recherche médicale. Merci d'avoir choisi Sirta. En quoi pouvons-nous vous être utiles ? Ça en prend 6, c'est bien. Sirta est merci de votre visite. Un lieu non lucratif, dévoué à subvenir aux besoins médicaux de toute vie pensante. Bien. L'infirmière me dit que vous refusez de vous laver et que vous ne voulez parler de la Terre. Est tombée aux mains de la force qui s'est emparée de l'espace butarien. Alors. Ashley dans l'L3. D'ailleurs, je n'ai pas pu parler au docteur Michel. On parlera en retournant en arrière juste après. La microchirurgie reste la meilleure méthode pour l'aider. Je vais voir si on a le matériel nécessaire. On se retrouve ici. Donc ça va, le... il y a quand même de beaux graphismes dans ce Mass Effect 3. J'ai quand même envie de voir le Mass Effect Andromède. Ah, Ashley. Vous avez presque eu votre compte, Williams. J'étais inquiète. Je ne fais que vous rendre visite, voir comment ça va. Accrochez-vous, compris ? J'ai besoin que vous soyez sur pied le plus vite possible. C'est compris, soldat. Doc. S'il vous faut quoi que ce soit, dites-le-moi. Ok, Ash. Prenez soin de vous. On se voit plus tard. Oh non, c'est verrouillé, Sniff. Ok. D'accord.
D'accord. Du coup, là, il me reste à qui à parler? Docteur Mitchell, encore une fois. La Force. Rejoignez la Force. Donc, j'espère que vous entendez quand même bien le jeu. Je ne sais pas comment ça rendra sur la vidéo. Elle est où, Docteur Shackwest? Normalement, elle est... Ah, Docteur Mitchell, pardon. Commandant Shepard, ravi de vous revoir. Docteur Mitchell, ça fait un bail. Vous avez fait du chemin depuis cette petite clinique au fond des secteurs. Grâce à vous. Je ne sais pas où j'en serais sans votre aide contre Fist et ses sbires. Me voilà médecin-chef dans une clinique du Présidium. Et ce, grâce à vous. Je suppose que vous venez voir le lieutenant-commandant Williams? Comment va Ashley? Son trauma crânien était grave, mais on l'a rapidement réduit. On ne sait jamais avec ses blessures. Elle n'a pas encore repris conscience, mais ses signes vitaux sont bons. Je suis optimiste. Vous pouvez aller la voir. Elle est au bout du couloir. Cette guerre va faire beaucoup de réfugiés qu'il faudra soigner. Les cliniques de la Citadelle peuvent les accueillir? Pour l'instant, oui, mais ça changera. Tous les hôpitaux de la Citadelle se préparent au pire. On dit que les caisses sont sous contrôle étroit, mais on ne peut pas laisser les gens s'entasser là éternellement. Où en sont vos réserves de médicaments? Nous avons beaucoup de réserves, mais je suis inquiète pour le futur. Nos réserves sont étroitement gardées. La guerre a déjà attiré les vautours. Vu la taille de ce centre, vous devez avoir beaucoup de collaborateurs. Nous avons 12 médecins à temps plein et plus de 50 aides-soignants. C'est parfois difficile. Très différent de mon poste dans les secteurs. Continuez comme ça, docteur. Vous aussi, commandant. Ok. Donc là, par contre, je ne me rappelle pas du tout de cette personne. Nous devons les aider avec nous. Bienvenue, commandant Shepard. Alors, dans l'ambassade. Stylé quand même la citadelle. Hein. Nous arrivons aux ambassades du Présidium. Alors. Qui est-ce que je peux parler? Donc, bureau 2, Udina, je vois. D'accord. Elle est là? Ah, peut-être en arrière, juste là. Ah non. Je ne peux pas encore. Je vous laisse quand même écouter un peu la radio en arrière. Peut-être que vous pourriez m'aider. Je cherche mon fils. Premier bureau, ici. Il n'y a aucune conspiration contre l'humanité, mademoiselle Al-Gilani. Le conseil n'accorde simplement pas d'entretien pour l'instant. Mes auditeurs sauront que le SSC et le conseil leur interdisent de savoir. Mais dites donc, vous croyez que ça m'amuse de jouer les portiers entre les paparazzi et les politiciens? Je n'ai ni le temps de jouer les babysitters, ni de vous servir de guide. Eh bien, je camperai ici tant que je n'aurai pas eu d'audience. Parfait. J'espère que vous avez un sac de couchage. Commandant Shepard? Commandant, l'humanité a des questions. Les journalistes. Je vois que vous maintenez l'ordre. Ouais, j'ai l'impression d'être un groom d'élite. Beaucoup de gens y verraient une promotion. Coincé ici, au milieu de tous ces poseurs, j'aimerais autant retourner dans les rues. J'apprécie de toucher plus chaque mois, mais je ne suis pas un animal politique. Si vous ne vouliez pas être promu, pourquoi avoir accepté? On ne dit pas non au conseiller Udina. Enfin, vous le feriez, mais moi je vais ici. Pourtant, je n'ai jamais cherché à bien me faire voir pour être promu, contrairement à certains officiers. J'ignore pourquoi il m'a choisi. Qui sait, avec la politique. Je déteste ça. Ne vous ramollissez pas. Ce serait mauvais. Je n'hésiterai pas à remettre les mains dans le cambouis. Ça me désespère pour la Terre. Même chose ici. Je n'y suis pas allé depuis des années. Et maintenant, si ce n'est pas notre fin, ça en a vachement l'air. Ok.
Je suis dans la merde jusqu'au cou. Mais si vous avez besoin d'aide, je ferai tout pour vous aider. Ouais, si ça... Ok, donc... Là, je peux pas encore aller là, c'est ça? Ouais, là c'est Udina. Alors, dans la zone d'Udina. Commandant, le conseiller Udina a parlé de votre venue. Veuillez me suivre. La session du conseil a déjà commencé. Conseiller, les moissonneurs sont aussi dans notre espace. La Terre est comme toutes les planètes d'origine du conseil. Mais la Terre a été le premier monde attaqué. Les rapports confirment qu'elle encaisse le plus gros choc. Comment est-ce que vous savez que c'est le gros de l'attaque ? De nouveaux fronts sont en train de s'ouvrir partout. Les rapports sont précis. La Terre subit une invasion à grande échelle. Et ce n'est que le début. On a besoin de votre aide, un maximum. La Terre souffre. Mais nos mondes subissent également de violentes attaques. Les Turiens ont perdu Tetrus. Il faut combattre cet ennemi tous ensemble. Dois-je vous rappeler que la dernière fois que nous avons affronté les Moissonneurs, Shepard a sacrifié le Conseil pour protéger les intérêts humains ? C'est vrai, mais au final, nous avons survécu grâce à Shepard. Et si ça ne suffisait pas cette fois ? Les rapports sont graves. Si nous lançons toutes nos forces contre la Terre et que nous perdons, nous ferons quoi ? Je sais que vous ne me suivrez pas sans stratégie. Conseiller, nous avons une stratégie, un plan, créé par les Protéens lors de leur guerre contre les Moissonneurs. Les Protéens ? D'autres précisions ? On ajuste encore les détails. Mais il semblerait que ce soit une sorte d'arme. Et cette arme serait capable de détruire les Moissonneurs ? Il semblerait. C'est immense et complexe. C'est voué à l'échec. Les Protéens ont été anéantis par les Moissonneurs. Leur arme est mal conçue. Elle était incomplète. Il manquait un élément. Quelque chose qu'ils appelaient le catalyseur. Mais ils ont manqué de temps pour pouvoir terminer. Vous y croyez, Shepard, après tout ce que vous avez vu des Moissonneurs ? Liara pense que ça peut marcher, et moi aussi. Et même si j'ai pas toujours été d'accord avec Udina, il a raison sur ce point. Il faut agir ensemble. Plus que jamais. Les Moissonneurs ne s'en tiendront pas là. Ils détruiront toutes les créatures organiques de la galaxie si on ne les arrête pas. Le Conseil ne peut fournir le soutien militaire que la Terre réclame. Nos planètes passent avant. L'Union Galarienne prépare un sommet interne. Si nous parvenons à sécuriser nos frontières, nous pourrons peut-être vous aider. Nos flottes sont également en action. Je ne peux vous offrir que mon honnêteté, commandant. Je ne vous promettrai pas une aide imaginaire. Shepard, venez dans mon bureau. J'espère qu'il proposera son aide. Je chercherai tout ce que je peux sur l'engin protéin, Shepard. Ce n'est qu'une bande d'idiots égoïstes, Shepard. Nous avons une place au Conseil. Mais l'humanité sera toujours perçue comme une race de seconde zone. Ils sont vraiment aveugles. Commandant, je ne peux pas vous donner ce que vous voulez, mais je peux vous dire comment l'obtenir. Je vous écoute. C'est Fedorian, le primarque de Palaven, qui a organisé ce sommet. Il vous plaira, il est ouvert aux solutions radicales. Le problème, c'est qu'il n'a pas quitté Palaven lors de l'attaque des Moissonneurs. On ne sait pas s'il est vivant. Il est essentiel pour le sommet, si le Normandie pouvait le récupérer discrètement. Vous voulez que je lui sauve les miches en espérant qu'il aide la Terre ? Présenté comme ça, oui. Cela va sans dire. Il nous faut Fedorian vivant, et votre vaisseau est capable de l'atteindre. Sauvez le Primarque. Gagnez un allié capable de vous donner ce que vous voulez. Pendant que la Terre subit. Votre conseiller avait raison. Il faut nous unir, c'est la meilleure façon de réussir. Fedorian devrait se trouver sur la lune principale de Palaven. Exfiltrez-le discrètement, il s'occupera du reste. C'est tout ce que je peux faire pour vous, commandant.
a encore une chose. Le Conseil a accepté de vous rendre votre statut de spectre. Et vous aurez également accès à certaines ressources. Bonne chance. Ça s'est bien passé. C'est un début. Entre-temps, je vais voir les autres pour faire bouger les choses, obtenir du soutien pour le sommet. Merci. Ok. Alors, on est où exactement ? D'accord. Le Conseil. L'humanité. D'accord. Je ne bouge pas. D'accord, d'accord. Alors, donc en face. Y a rien. 4 ans. Ok. L'ensemble de la délégation ralloise a quitté la citadelle dans l'espoir d'augmenter ses chances de survie. Avant de partir, je vous laisse lire. Ouh. Ils sont chers. Je ne tire pas besoin. D'accord, c'est bien sympa ici. On peut dire que c'est un peu notre QG. Donc c'est, il s'appelle comment cette zone ? Ah ouais, donc les officiers des spectres, d'accord. Enfin, la zone des spectres. Commandant Shepard, commandant, le peuple de l'Alliance a des questions. Commandant Shepard, Kalissa bin Sinan al-Jilani, est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les moissonneurs ont attaqué? Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient? Est-ce vraiment digne de l'Alliance? Je suis venu chercher de l'aide pour la Terre, pour tout le monde. Et que faites-vous de tous ces gens qui souffrent pendant que vous jouez les diplomates avec le Conseil? Répondez! Pendant qu'on discute, nos familles sont en train de mourir. Que comptez-vous faire ? Kalissa, nous faisons tout ce que nous pouvons. Avant qu'il coupe la transmission, il y avait tellement de morts. J'arrêterai les moissonneurs ou mourrai en essayant, mais j'ai besoin de votre aide. Continuez de poser les questions qui fâchent. Ne laissez pas le Conseil oublier la Terre. Entendu. Merci, commandant. On a eu nos différends. Mais au moins, vous êtes de notre côté. Ok. Elle s'est fait. James. Ah, le voilà. Hé, hey, commandant. Liara m'a dit que le Conseil ne voulait pas nous aider. En quelque sorte. En même temps, regardez autour de vous. Il n'y a pas de guerre ici. Les gens en parlent par-ci, par-là, mais ils n'y croient pas vraiment. J'en déduis que c'est votre première fois ici, avec l'élite de la galaxie. Je suis déjà allé à la citadelle, mais jamais au Présidium. C'est bien joli tout ça, paisible et tout, mais il y a un truc qui cloche. Ce n'est qu'une illusion. C'était paisible. Avant. Vous croyez ? Je veux dire... Si cet endroit est touché, ils ne feront que fermer les yeux et baisser la tête. Pourvu que ça n'arrive pas. Ils préfèrent croire à tout ça qu'affronter la vérité. J'y crois à peine moi-même. Comme si tout ce qui s'est passé sur Terre n'était qu'un mauvais rêve. Ouais. C'est ce qui m'énerve le plus. C'est comme si cet endroit cherchait à vous le faire oublier. Donc, vous voulez toujours retourner sur Terre? Et comment? Mais vous aviez raison.
Et Anderson aussi. On ne peut pas faire ça tout seul. Et puis vous allez déjà être bien occupé à convaincre ces penderos de politiciens de nous aider. Je suis prêt. Quoi qu'il advienne. Ravi de l'entendre. Je vais faire un tour au niveau inférieur. C'est là que tout se passe. Si vous avez du temps libre, passez me voir. Pourquoi pas. Ok. D'autres rapports indiquent que la Terre est tombée aux mains de la Force qui s'est emparée de l'espace plutarien. Allez. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'amarrage D24. D'accord. Ça, on peut pas l'utiliser, non. Un veilleur, si je ne m'abuse. On peut aller dans le vaisseau, mais on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheZDead.JDivanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.